L'intérêt de ces journées, bien, ce sont surtout pour nous kinésithérapeutes, les échanges que vont avoir avec les médecins du sport, les chirurgiens, de façon à faire un travail d'équipe pour apporter le plus de satisfaction et de résultats pour nos patients. C'est ça l'intérêt, et on sait qu'on est toujours dans une constante évolution des techniques, aussi bien chirurgicales, médicales ou rééducatives, et cela nous permet, entre nous, d'avoir de ces discussions qui permettent d'apporter des critiques ou des confirmations sur notre pratique. Ce qui est intéressant, c'est de faire passer des informations récentes qui ont été développées par des conférences de consensus, qui ont été sur des prises en charge, qui soient médicales, chirurgicales, sur des nouvelles techniques et des points de détail qui servent au kiné pour la prise en charge des patients, comme elle se fait dans le monde entier, mais de très haut niveau et qui est accessible à tous les patients. C'est toujours très intéressant de confronter nos connaissances et puis de les réactualiser. Et c'est parce qu'on fait un travail multidisciplinaire qu'on va devenir beaucoup plus efficace pour le patient. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très intéressant, c'est lorsqu'on parle de pathologie avec des blessures qui sont longues, c'est peut-être aussi inviter des psychologues pour pouvoir avoir une vision complète de la prise en charge du sportif et de la prise en charge de sa longue blessure. Le tignol, le cycle pour la qualité biométrique dans l'axe, et de même faire les chapelles sur l'entraînement. À la santé de Félix Médicosport et de ses journées d'expertise. Sur mon quotidien de ma sœur kinésithérapeute, ça va m'apporter beaucoup de solutions pour traiter mes patients, éventuellement réfléchir à ce que je pourrais apporter au cabinet si je dois investir dans différents matériels de ma sœur kinésithérapeute ou éventuellement faire des formations qui m'amèneront à m'améliorer en tant que thérapeute. Je suis quand même spécialisée dans le cancer du sein et le drainage lymphatique. Je travaille beaucoup avec LPG, avec le Uber et le Cellule M6, et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des sportifs de haut niveau qui sont des femmes comme des hommes qui sont aussi atteints de cancer. Et j'aimerais bien avoir peut-être une journée sur ce thème-là qui nous permettrait éventuellement de voir comment on peut rééduquer un sportif de haut niveau qui est atteint d'un cancer et qui doit reprendre par la suite son activité de sportif de haut niveau. Allez, c'est parti. Stéphane a gagné la montre connectée. Moi, en tant que podologue, j'aime bien m'informer sur ce qui se passe autour de ma profession. Ça permet de vraiment pouvoir prendre en charge le patient dans un contexte un peu pluridisciplinaire pour prendre le patient dans sa globalité. C'est ce qu'on a beaucoup développé aujourd'hui. Les sujets que j'aimerais bien voir, ça serait éventuellement axer peut-être un petit peu plus sur la rééducation au niveau cheville. Pourquoi pas y intégrer peut-être une conférence d'un podologue sur le couple pied-chaussure. Décroche.